Bon, c'était rien. C'était un de retour. Petit polo rose saumon, métrosexualité. J'adore le rose saumon. J'adore le rose saumon. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point j'adore le rose saumon, mais j'adore le rose saumon. On est de retour, du coup, dans la garde arrière. Alors, cet épisode sera probablement plus un shop ou pas shop sur YouTube. Mais en tout cas, en stream, je vous rappelle. Tous les jours sur la JVTV, twitch.tv/JVTV pour tous les lives, tout le direct et tous les vidéos commentées. Les meurs passants, tant pis, je vous rappelle, ça reprend la semaine prochaine. Meurs passants, tant pis. On va parler de Samurai Shodown, on va parler évidemment de l'EGX, on va parler, on va dire, de la victoire de Problem X à l'Evo, ce que ça implique. On va parler de tout un tas de trucs. Un petit Isaac Rose, ouais, c'est ça, c'est un peu moins. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du FFC 2018, la grande finale. Ce tournoi qui s'est joué sur PC. Les Chinois n'ont rien à battre, mon gars. Tournoi officiel du Capcom Pro Tour sur PC. Qu'est-ce que tu vas faire chez toi? Hein? Est-ce que tu vas être là, tu vas m'arrêter? Et quand bien même t'as envie de m'arrêter, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Et non, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Nous sommes en grande finale. All King contre Momochi. All King a envoyé Momochi en loser bracket. Puis, Momochi a reset en prenant Gouki. Et on se retrouve sur le FT3 final entre Momochi et All King, sachant que Momochi est évidemment sur une spirale positive après avoir réussi à reset 2-3 quand même, slash très 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 serré. All King, eh bien, est lui en train dévisser un peu. Notez que lors de la finale winner, il avait tenté de jouer Colin, mais ça passait pas. Donc le voici, Momochi de retour sur Gouki. On se souvient, Momochi, c'est probablement un des premiers Gouki exceptionnels qu'on avait pu voir sur Street Fighter 4 à l'époque. Souvenez-vous, hein, 2008, 2009, les God's Garden, etc. Un des premiers réellement à maîtriser le loop sur à peu près tous les persos du jeu. Pas un des premiers à le mettre en évidence, mais un des premiers à l'avoir totalement maîtrisé. Momochi, c'est The Seeker, on l'appelle le chercheur. C'est vraiment quelqu'un qui pousse les persos très très loin, qui sait jouer énormément de persos. Il a Cody, il a Ken, il a eh bien Gouki, il a Colin, qui est plutôt son personnage principal actuellement. Et là, Colin contre Rashid, c'est pas possible. Du coup, il se met à jouer Gouki et ça semble plutôt bien fonctionner pour le moment. Même si All King n'est pas né de la dernière pluie, je dois bien vous avouer. Vraiment très très grand joueur, il y a beaucoup de joueurs de Rashid hein, comme ça qui aujourd'hui méritent. Ça va à la pêche au moulin avec ce gros point. Il y a bas gros point Mitty à la Zera. Et mes dragons dans le cancel. Tu vois, ça c'est un mec qui connaît le match-up. Hein. Il sait que dans les points d'annulation sur les moyens pieds, lorsque tu mets tornade, eh bien il y a un trou dans lequel tu peux mettre quelque chose. Il est toujours très attentif à ça. C'est Pukaku bien évité. Il va quand même se faire spin mixer, mais il a trop appuyé le spin mixer. Du coup, Chop, il est en train de bourrer moyen pied pour essayer de trouver un counter hit pour récupérer derrière. Ouh, je crois qu'il a voulu dragonner, mais qu'il a pris malheureusement son moyen pied counter hit. Alors ça, c'est dommage que Hulking n'ait pas rentabilisé ça en un combo plus puissant. Je pense que ça l'étonnait lui-même. Peut-être que le counter hit l'a surpris. Il est full barre de super là, Momochi, même si son V-Trigger, eh bien, n'est probablement pas utilisable dans cette partie, étant donné que, bon, bah, faut voir ce qui est, hein. Mais il a beaucoup V-Reversal, il décale bas moyen pied, il dragonne ici, non. Ça le problème, c'est qu'il manque un peu de dragon, manque d'entière, il va trop à la pêche au moule avec ses gros points, avec ses bas gros points. Bien sûr, c'est super fort, mais il a aucune raison eh bien, de prendre des risques, et pourtant, il a sauté. Ah, c'est fou, ce jeu, c'est fou, en fait. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, le jeu est fermé, qu'est-ce que tu sautes. Tu sautes. Ouais, sur PC, qu'est-ce qu'il y a? C'est exactement ça, sur PC, qu'est-ce qu'il y a? Le roi du pétrole, et eh oui, c'est lui. Un partout entre Momochi et All King. Ça joue très très posé parce que, évidemment, comme le rappelle le commentateur américain, il y a énormément d'argent en jeu sur cette finale. Comme dans toutes les finales des tournois premium du Capcom Pro Tour. Ah, il était trop loin, plutôt que de faire Hexadoken, il a préféré Xdemon Flip mixé. Mais il l'a vu, All King. Et du coup, il est bien mieux. Très bon stun moyen pied. Hein. Bien cancel par V-Skill Launcher. Là, il peut remettre une chop derrière. Est-ce que. Ah non. Est-ce qu'il allait profiter de cette chop? Pas vraiment. Et encore un Xdemon Flip bien cassé. Bon, c'est bizarre parce qu'il a quand même fait décalage arrière moyen pied. C'est très décousu hein, comme match. Hein. À la fois, il en tire quasiment tout All King. Mais derrière, il ne sait pas profiter de l'avantage et qu'il récupère. Avec ça, c'est méga risqué encore une fois. C'est ex Eagle Strike, mais ça a fonctionné. Il met Momochi dans le coin, block stun. Voilà, on carotte le V-Reversal. Maintenant, il peut attaquer. Oui, stun gros point, trop loin encore. Stun gros point, c'est toujours pas ça. Il remet ex Whirlpool et là, il a pas d'entier. Il le laisse Nigetatsu. Et maintenant, c'est quasiment fini, je pense, pour ce premier set.
comment revenir dans ce genre de situation. Ah, il a sauté, hein. il a sauté, c'est quand même fou, un petit pied mixeur. Wow, no way. Ramassage succo, l'élu. Regardez ce petit sourire. Ce petit sourire sur le visage de Momochi. Hein? Je t'ai baisé. Momochi joue vraiment méga propre, mais c'est très mauvais dans le jeu. De jouer comme ça. Très mauvais. Il faut emballer, il faut faire des choses un peu sans raison. Là, on est sur la version PC. Pour peu qu'ils aient pas la V6, qu'ils ont moins de lag qu'avant. C'est quand même assez perturbant. Non pas que ça fait rater les combos. Par contre, ça peut permettre de réagir plus facilement au saut. Des trucs comme ça. Ouais, le pif là, il est complètement cramé. Il avait déjà passé derrière. Hop, perfect. Merci, que des erreurs. Que des erreurs, c'est balayé. Balayé direct. Il va battre au point et se remettre un tout petit peu loin ici, All King. Il a l'avantage, il a pris le premier round. En plus, il a des barres de Hex devant. Vraiment, Mochi a tout raté. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce dragon? La mauvaise pêche, peut-être une erreur de manipulation. Il appuie avant, il a voulu faire car avant avec le buffer. On n'est pas dans Street Fighter 2. Hein. Ça exécute des manipulations à peu près. Ça fait des manipulations que ça veut. L'à peu près, hein, ça fonctionne très très bien. Et là, il a deux doigts du stun. En plus, il maintient un gros block stun. Voilà pourquoi il tente le cross-up. C'est pour maintenir le block stun encore. Heureusement que ce dragon est sorti dans le bon sens. Ça lui permet de redescendre le stun. Il est très en retard à la vie. Faudrait qu'il. Gros point. Oh, il aurait tellement pu faire gros point V-Trigger sur le bas gros point dans le vent. Il avait les réflexes, hein, quand même, de pouvoir faire ça. Petit point, moyen point, histoire de setup le shop. Il est en train de revenir la Mochi trop loin pour ce stun moyen pied. Ça va activer. Ouais, mais Dragon repêche. Oh, il a jamais repêché mon Mochi. Ah, c'est dommage, il avait tellement d'occasions de tuer là. Et pour un Gold Strike en multi, ça, le Spoon Mixer qui touche pas en intégralité. Est-ce qu'il va piffer? Non, il piffe pas. Bien joué, mais bien joué, mais bien joué, mais toute ma vie bien joué. Toute ma vie. Tellement bien joué. Tellement bien joué. Rajapou, passage dans le dos, instant Eagle Strike. Mon gars, ça mange les chops, ça mange les coups, ça mange tout ce que tu veux. C'est ultra. Ultra chaud, mais. C'est très très bon. Bon, là, il a trouvé la bonne distance pour moyen pied. Voilà, double Tatsumaki, c'est un peu plus. Un peu plus l'idée derrière un moyen pied. Bah moyen pied sans rien. Ah, ça va commencer à être problématique, hein, si Momochi fait des approximations ou des à peu près pour lui. All King qui rate son anti-air. On sait pas pourquoi on entend les commentateurs dire yes. Ça sent le pro Japon ici. All King il mérite tout autant. Je rappelle c'est lui qui était en grande finale sans avoir perdu le moindre match. Dans cette finale, très bonne utilisation de l'avant-moyen point. Et il va sortir Eagle Strike. Et voilà! Ça, c'est le respect, mon gars. Sam Fukaku, on met Stan Petit Point pour Frame Trap. Il y a l'overhead derrière et il punit directement Stan Petit Point. Ça, c'est Momochi. Quand même, même s'il a raté quelques hits confirmés, qu'ils sont sur la. Non! Oh si! Ça va faire mal! Shunbuku Satsu! Petit point décalage Shungoku Satsu. Ah, il est sale, hein, celui-là. Il est très très sale, hein. Il est très sale. D'autant plus, je sais même pas s'il était obligé d'arriver jusque là. Mais c'est vraiment dommage. Ouais, très bon gros pied ici en crunch counter. Il a pris le spin mixer en garde et il va pouvoir mettre max combo. Surtout ne pas se remettre dans le coin, décaler vers l'arrière encore plus. Pas toujours simi chimi. C'est safe ça. Non, il a pu évidemment punir. Tu peux pas, un dragon cancel. On n'est pas dans Street 4. Ils veulent pas de ça ici. Ouais, très bon. Bas petit point, bas moyen point. Il peut mitty ou choper. C'est son choix, hein, derrière ça. Ouah, double touche. Non, c'est lui qui a réussi avec Demon Main X. Et il prend le set 2-1 à présent pour Mochi qui revient dans la course. Il est là. À un seul set maintenant de remporter ce FFC. Et un tournoi premium du Capcom Pro Tour qu'il n'a pas remporté encore cette année, je vous rappelle Momochi, hein, champion de l'Evo. Champion de l'Evo, je crois, en 2015. Ou 2016 peut-être. En 2015, je me souviens. Et il a peut-être tout pour lui, tout pour réussir.
Le truc c'est qu'il a vraiment testé des persos pas simples. Il était connu Hulking, bien sûr, il était connu bien sûr. Hulking c'était un gros joueur de Street 4 déjà à l'époque. Hein. De toute façon il faisait partie, on entendait plus parler de Gamer B hein, peut-être que de Hulking, c'est vrai. Mais Hulking était déjà là. Hein. Bien sûr. Il est prudent Momochi, c'est lui qui est en retard à l'énergie maintenant. Hulking qui attend aussi Bagro point. Et voilà, il fait Veskid. C'est pour ça qu'il veut pas faire de boule. Ah là là, c'est bizarre. Hein. Dans un jeu où le pif est si punitif, c'est beaucoup pif de saut, pif de hex à l'infini. Soit il est en dessous. Et là, c'est top bas petit pied pour mettre le stand moyen point Mythi. C'était tellement bien joué. Et Mochi a failli prendre encore plus cher d'ailleurs sur ça. Rien à dire. Veskid, on passe derrière. Death kick. Voilà. Et ça prend le point. Et il n'aura pas de balle de match, hein, Momochi, sur ça. Très bon stand moyen pied, un counter hit, hein, avant que le bas moyen pied ne sorte. Voilà, bas petit pied, bas petit pied. Quand Momochi veut utiliser un gros coup, Hulking utilise un moyen. Quand Momochi veut utiliser un moyen parce qu'il a vu qu'il prenait, quand il utilisait des gros coups, il prend des petits coups. Par deux fois. Là, il est vraiment en train de lui dire, le neutral game, je maîtrise, tu me sautes pas dessus, s'il te plaît. Garantis ça, ce genre de cancel. Je pense que Mochi aurait du mal à punir. Par contre, il y a un whiff punish là. T'es un peu mieux. Il a poussé jusqu'au coin et attire le pif. Alors ça, par contre, contre Bouki, faut pas piffer. Regarde ce que ça fait comme dégâts. Là, il aurait pu dragonner. C'est d'ailleurs ce qu'elle essaie de faire, mais il s'est prévenu. Prévenu avec un stand light punch. Juste le stand light punch hein, qui a rattrapé sa bêtise et balle de match pour lui à présent sur ce stun. Qu'est-ce que ça va vite ce jeu encore. Et voilà, balle de match. À présent, Momochi, il est sur le point peut-être de remporter l'un de ses premiers tours de Capcom Pro Tour cette année. L'un de ses premiers premiums. On est en télétravail parce qu'il n'y a plus que des studios ici pour commenter malheureusement. On attend encore notre fond vert sur JVTV. Ouais, très bon, très bon le stand moyen point. Il va redécaler double Tatsumaki. Allez, maintenant faut venir, faut presser. Ah, il préfère reculer et le laisser venir. Alors évidemment, il est bien plus stratégique que moi. Il sait bien mieux ce qu'il faut faire, jouer prudemment peut-être. Est-ce la solution, sachant qu'il a sa super, il a son V-Trigger. Ouais, peut-être pas le presser. Il avait utilisé une barre de Hex pour ce Eagle Strike. Et une barre de Hex pour un pif. Il en a pris un nombre incalculable. Bien joué, ce bait de Stanley Punch à la relevée. Pif. À chaque fois qu'il a un bait, Momochi lui pif à la tête. Et tous les pifs sont mangés. La V-Reversal derrière. C'est encore une prise en garde. Un décalage va petit pied. Il va repousser un peu tout ça. C'est compliqué. Faut dragonner. Faut pas dragonner. Ah, il peut pas dragonner ici. Ah, il est obligé de backdasher. Mais il a inversé la position. Et du coup, il se retrouve dans le coin. Hulking. Il est obligé de sortir. Heureusement qu'il a la garde juste derrière ce wall jump. Il a la barre de super encore chargée. Mais Momochi a tellement de vie en rab. En plus, il peut V-Reversal. Voilà, du coup, il V-Reversal. Bien entendu. Barre grise, elle est trop importante. Le moindre coup qu'il prend, il est peut-être mort. Hulking. C'est pas le dommage contre lui. Ah, X-Demon main. Et là, en mix-up. En haut, en bas. Oh, se relevant pas moyen pied. C'est culotté de faire ça. La chope qui est évitée par un backdash. Il est encore méga lucide. Mais il a toujours pas réussi à mettre ça super, il faut punir. C'est un peu non. Il vient le chop, mais pourquoi il fait ça alors qu'il a super, il a absolument tout. Hulking qui a complètement dévissé, qui laisse peut-être la victoire ici. Un Momochi, oh c'est pas maintenant. Il vient le chop, c'est encore déchoppé. Il se croise. Oh my god. Was that a choke? Hulking. Was that a choke? That was a double choke. He's gonna do. Wow. Calm down. Calm down. Show me the breathing technique, baby. Calm down. Calm down, everyone. Calm down, oil king. Oh là là, mais comment est-ce qu'il est revenu de nulle part en faisant les trucs les plus improbables de l'histoire là. Momochi, il va falloir qu'il ait les nerfs solides parce qu'il peut très bien se faire tuer par Hulking. Oh, il était pile poil à la bonne frame pour mettre Stand Light Punch. Là il reste devant, passe pas derrière. Stand petit point. Juste avec le Light Punch, il est en train de contrôler le match. C'est assez fou, non, faut pas sauter. Faut vraiment pas sauter. C'est pas nécessaire en plus de venir l'attaquer. Alors certes il est très en avance, il perd pas beaucoup de vie, mais tu vois il a perdu l'avantage. Light Punch à 0, hop. Ils se sont télescopés sur leur jab tous les deux. Et là évidemment bah, il va profiter de l'avantage positionnel qu'il a récupéré. Par contre encore une fois beaucoup de barres grises. Enfin, c'est vraiment le cancer de ce jeu, la barre grise. Le fait qu'il n'y ait pas de dégâts de grattage. Écoute, t'es toujours en train de courir après la récupération de ta barre. Et tu vois juste un bas moyen pied a suffi pour forcer ça arrière gros point. Et la nouvelle balle de match pour Momochi. Alors est-ce qu'il va encore se faire remonter de façon improbable? Est-ce qu'il va encore se faire remonter de façon improbable? On ne sait pas, mais la balle de match c'est la deuxième là. Pour Momochi, ça commence à compter. Jab. Et allez, V-Skill en réflexe. Il les a. Dès qu'il s'est rapproché, il a préféré mettre la garde sur la relevée de jab de Momochi. Le relevé en petit point. Hein. On ne saura plus jouer à aucun autre jeu après Street 5. On va se relever tout le temps en petit point. Va falloir désapprendre cette mauvaise habitude qui n'existe
pas. Ça existe pas. Dans aucun jeu ça existe. À la limite tu te relèves en pif ou pas pif, mais le pif qui est un jab, ça n'existe pas. J'ai pas de souvenir d'avoir de jeu où ça marche. À la limite l'OS de D-Shop, hein, c'est un bas petit pied. Mais ça c'est vraiment, vraiment quelque chose de terrible qu'il va falloir oublier. Probablement. Pour Street 6 et les autres jeux. C'est très compliqué. Il y a des cas à shop, il est bon, il est à deux doigts de la balle de match. De la remporter, il va prendre gros pied. Et là l'activation des triggers est meilleure. Pourquoi il a pas fait ça le dernier coup? Avant MP, avant MP. Préfère avec Eagle Strike pour remettre derrière. Un petit coup de simple Kaku. Là il peut dragonner. Oh il a Eagle Strike. Eagle Strike comme ça il parle pas la fin de l'animation du dragon. Il sait pas mettre au sol. Et il a quand même un petit avantage. Double saut hein. Momochi aurait pu dragonner toute sa vie. Oh, il va pas encore lui faire ça. Il va pas encore lui faire le Shungoku Satsu. Il a la possibilité de le faire. Il a la possibilité de le faire. Est-ce qu'il fait ici? Dash avant, il aurait pu là sans saut dash avant. Le buffet c'était complètement passé. Non il va perdre son V-Trigger. Il attend en plus de le faire passer en V-Trigger. Il est très légèrement d'avance à l'énergie. Le saut cassé par Speed Mixer. V-Trigger perdu. Il retombe dessus. Non, il a juste la garde sur ce Hex Hadoken. Il est en train de le pousser. Il reste 8 secondes au compteur. Hex Demon. Ça n'a touché que le Hex. Il n'y a pas la main qui touche. Il est en train de sauter gros pied. Sauter gros pied. Qu'est-ce que c'est beau ce jeu! Qu'est-ce que c'est beau ce jeu! Qu'est-ce que c'est beau ce jeu! Wow. He's out. Il cherche le time over. Allez, un round. Un round pour remporter du coup ce Capcom Pro Tour Premium, un seul round. C'est vraiment que dalle. Et All King est très bien parti d'ailleurs pour l'emporter. Il a toutes ses barres mais il s'est relevé en jab. Et du coup il est stun maintenant son gros point. Stun gros point. On refait V-Skill et Speed Mixer. Et il fait encore le mauvais choix Momochi. Tous les mauvais choix dragon. Voilà. Quasi perfect dans la joie et l'euphorie le plus totale. All King remporte du coup ce FFC en Chine juste au nez et à la barbe de Momochi qui a pu faire ce qu'il pouvait. Et bien voilà, ce fut vraiment un week-end assez incroyable puisque à la fois All King mais aussi vous le savez Hungry Bird, le Zeku qui a remporté l'UFA dans les autres finales, notamment à la Dream GAC, eh bien on a une finale Knuckle du face à Justin Wong. Content en tout cas de cette victoire. Beau match, il s'est bien accroché. Momochi a craqué. Et à un moment, il avait vraiment la possibilité d'H avant de lancer Shungoku Sats. C'est jamais sorti, malheureusement. Et voilà, bah ça se solde par l'échec de ce dernier Momochi. Encore une fois, deuxième ou pas premier dans ce tournoi du Capcom Pro Tour. Mais bon, que voulez-vous? C'est la dure loi du travail. C'est toujours ça. Les premiers sont les derniers sont les premiers. Il faut être le meilleur au moment. Le truc, c'est que ce qui sépare la victoire de la deuxième place, c'est quand même près de $7000, il me semble. Ça fait quand même un tout petit peu mal. Mais bon, la Chine a donné plus d'argent. Notez que le Tokyo Game Show approche à grands pas. Et le Tokyo Game Show est aussi un tournoi assez particulier puisque le cash prize est démultiplié au Tokyo Game Show d'après les règles on va dire, de présence de l'e-sport maintenant sur le sol japonais. Le tournoi a pu être sponsorisé et du coup aura un cash supplémentaire par rapport aux autres tournois du Capcom Pro Tour.